un homme, le maître d'hôtel. Voici son témoignage. Les jeunes qui sont arrivés de l'ouest de l'hôtel commencent à tirer sur nos gardiens. Et là, ils sont rentrés dans l'hôtel. Juste, j'ai fermé les portes du restaurant. Je leur ai demandé de se diriger dans le couloir. J'ai rencontré le deuxième. Le djihadiste. En face, il y avait un képi, une chemise manche longue bleue, un pantalon bleu. Tellement qu'il a mis son képi sur le bas, parce qu'il était dans le bas. Il s'est mis sur le bas et il a commencé à me poursuivre en tirant partout. Donc, je me suis échappé. J'ai appelé la police. La gendarmerie, tout le monde est arrivé. Donc, on avait tout le. Il fallait quelqu'un de l'hôtel pour les accompagner à l'intérieur de l'hôtel. J'ai guidé toutes les forces, ils m'ont donné un gilet pare-balles. Ils étaient guidés porte par porte, couloir par couloir, étage par étage, afin qu'on puisse libérer tout le monde un à un. C'est là que les terroristes ont fui, ils sont retrouvés dans le bâtiment C. Donc, tous ces bâtiments étaient libres. Donc, quand les clients appelaient, je leur disais directement le mot de passe Tamba. Quand on avait un numéro, j'appelais un militaire, deux militaires, allez dans tel étage, vous dites Tamba, je dis au client, je sorte. Souvent, tout s'est passé. Et où on est?